Regardez là-bas aussi, il y en a qui s'amusent. Hop les... Alors c'est raide aussi, hein, je vous dis pas. Les mecs qui s'amusent. Bon, ça y est, on a trouvé un bivouac. Allez, on va s'installer. Je m'étais mis un peu plus haut, mais on va se mettre un peu plus bas. On va être plus tranquille. Regardez la vue. Voilà, on va se mettre un peu plus bas vers là-bas. Il y a Aurélie qui m'attend là-bas et les gosses. Allez, on y va. Allez, c'est parti, on va s'installer. Alors, on est comment là? Ah, c'est bon, impeccable. Allez, impeccable. Voilà, petit calage sur deux pierres ici et là-bas. Voilà, des fois, il n'en faut pas beaucoup. Avec deux cailloux, ça fait l'affaire. Impeccable, allez. En dépit. Allez, maintenant je vais la remonter ici. Alors là, je la remonte avec la petite roupette. Voilà, pour pas qu'ils aient la tête trop vers le bas, parce qu'elles ont la tête ici à droite. Donc ici, je vais la remonter ici devant avec la roupette. Puis après, je mets les pieds pour éviter de forcer sur la rouge. Ok. J'ai mon petit niveau. Voilà, qui m'aide. Hop là. Allez. Donc forcément, aussi, ça va soulever le 4x4 à l'arrière un peu. Ça, c'est pas grave. Voilà. Pas beaucoup plus. Et là, voilà. Elles sont bien. Elles sont nickel. Nous on penchera un peu pour se juste lever du côté remorque. Mais ça va, c'est pas bien méchant. Allez, c'est bon. C'est comme ça que je me cale. Puis après, je mets ce pied là. J'en ai qu'un, j'en ai deux. Mais bon, avec un, j'en ai assez. Alors, ça m'évite de tout dévisser. Voilà. Donc là, ça me cale à la remorque. Hop. Ça revient. Après, je dévisse la roue jockey pour la soulager parce qu'elle risque de faire la gueule à force. Voilà, et puis après, je la remonte. Je la remonte, je me la rebloque, et puis voilà. Bon, voilà, les tentes sont dépliées. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les couvertures. Ouais, les fenêtres, on les met, ouais. On les met parce qu'il y a du vent, après ça claque sinon. Voilà, et puis c'est pas long à faire non plus. Allez, j'ouvre. Hop. Après, j'ouvre ici, je regarde si la tension elle est bonne. Là, il n'y a pas de doute. Hein. Je suis à 13,9. Voilà, le système, j'allume le système. Les pompes. Et maintenant, je vais boire un petit coup, bien frais. Ouais, on va mettre des jus de pomme au frais. Ah, ça, ça a bougé. Et voilà. Et là, vous voyez, on est déjà presque installé. Bon, les tentes, vous avez déjà vu comment elles se dépliaient déjà. C'est par cas, je referai d'autres vidéos sur le dépliage de la tente. Allez, maintenant, il fait soif.
bien sûr, à ne pas oublier. Hop, tac, les chaises devant la vue. Cro-Magnon. On va fermer les tentes. Hein. Non, c'est bon. Attends, moi je vais aller dormir avec les filles, hein, parce qu'elles vont flipper. Hein. Le vent qu'il y a dans le... À croire que c'est ça toutes les nuits, quoi. Ah ouais. Ça fait deux nuits, la deuxième nuit. Ça fait ça. Rafale de vent. Que la nuit. Ouais, que la nuit, pas la journée. Pile poil à l'heure du meilleur sommeil. Ah ouais. C'est-à-dire entre 10h et minuit, quoi. Ah mais ça s'arrête même pas, quoi. Hier soir, ça s'arrêtait. Hein. Ouais, c'est en enfilade, quoi. J'étais en train de me demander si ça fait ça toutes les nuits, quoi. Mmh. Et puis, il se soulève. Tu m'étonnes qu'il fait beau ici. S'il fait du vent toutes les nuits comme ça, c'est sûr qu'il va faire beau. Hein. Putain, je pensais qu'il allait en avoir moins qu'hier. Hein. Bon, mais toujours le vent. Hein. Ça ne se calme toujours pas. Il est quelle heure d'ailleurs? Il est minuit 18. Va falloir que ça se calme. Hein. Ça fait 3 heures qu'il souffle, c'est bon quoi. Ah, on va avoir la tête qui va se plier sur nous quoi. On va être enfermé dans la coque. Hein. Non mais je vais aller dormir avec les filles parce que là, moi je, quand j'étais petite j'avais peur. Hein. Et Nana, qu'est-ce que t'as dit? Ouais, elle adore pas. Hein. Je vais être comme une perle dans un coquillage. Hein. Ouais, bah, j'ai pas besoin... Regarde, je prends pas de place. Hein. Oui, mais on va être tassé, quoi, t'as le grand temps. Là, je me suis mis de l'autre sens pour que j'ai le plus de poids sur l'ouverture. Sinon, j'ai la tête qui va se refermer sur moi. Ça arrive à soulever le plateau, le premier plateau qui vient se plier à l'intérieur de la coque où il y a l'échelle. Ça arrive à soulever ce plateau. Là ça soulève. Ça doit se lever de presque 10 cm. Quoi. Et si je ne mets pas mon poids dessus, elle se fermerait presque, hein, la tente. Bon, ça va se calmer un jour. Est-ce que ça va se calmer? Et si par cas, on peut toujours attacher l'échelle avec une sangle et une sardine au sol. Voilà, pour plus qu'elle bouge, pour plus que le plateau se soulève. Et vivement que ça se calme. Et là, il est minuit. Minuit 37, ça a dû commencer aux alentours de 21h. Souhaitez-nous une bonne nuit parce qu'on n'est pas prêt de dormir, je crois. Allez, bise, les évadés. Il est 1h12 du matin et ça se calme toujours pas en fait. Je me suis mis de l'autre sens. J'ai le plateau mais qui se lève même peut-être jusqu'à 15-20 cm. Hein. J'ai le poids de mes jambes mais ça soulève pas mal. Bon, il va falloir que ça s'arrête. Hein. Et bon.
pour bien faire, il faudrait avoir la teinte de toit. Il faudrait avoir le côté de la coque face vent. Voilà. Et là, c'est tout le contraire. Justement, on a l'ouverture de la coque face vent. Mais bon, va te savoir d'où le vent il vient, parce qu'ici, il fait un peu ce qu'il veut. Ouais, Il est 1h37 du matin et mais du coup j'ai dû attacher l'échelle parce que là c'était pas possible. Allez. Mais à de suite. Il est 2h12 et il y a toujours ce putain de vent. Casse-couille. Pourtant on a regardé la météo, ils annonçaient pas de vent. Hein. Vous savez la météo. Hein. On avait compris quoi. Bon et voilà, on est tous rentrés dans le 4x4 en fin de compte parce que ben, il continue à faire du vent comme pas possible. Donc on est tous sortis, on a plié les tentes malgré le vent parce qu'il y a des rafales de vent parfois, je vous dis pas. Et là on est tous dans le 4x4 avec les petites aussi. Il est 5h55. Attends, parce que là faut que je fasse un truc. La tente, il y en a la tente de douche qu'on n'a pas, enfin, je sais pas si vous voyez, qu'on n'a pas plié. Hein. Elle est en plein vent. Là il est 5h du mat, un peu plus, 5h... 55, non il est bientôt 6h. Ah il est bientôt 6h du matin. Ça voilà. Va, on a réussi à dormir un peu. Ouais vite fait, mais ça soufflait vilain, j'avais le truc qui remontait à chaque fois là. Oh. Voilà. La tente elle se pliait sur nous, moi ça va, j'avais mis une sardine aux filles, mais vraiment là quand je me suis réveillé que j'ai vu que ça soufflait comme ça, je dis allez, parce que là c'est pas la peine, ça souffle encore... Si ça amplifie, parce que c'est plus. Bah ouais, moi je pensais que ça s'est calmé. Calmer, et puis là, oui. Moi j'ai senti c'est de plus en pire. C'était de pire en pire. C'est de pire en pire, on dit. Tu veux faire pipi du coup? Mais sinon, on va attendre jusqu'à 7h. On prend la tente du toit et on la met vite dans la voiture. Bah ouais, la tente de douche, faut que je range ce qu'il y a dedans. Et... Là, elle s'en va. Oui. Attends, je vais mettre mon bonnet, parce que ça caille la mort. Oui, ça caille la mort avec ce vent. Oh la vache. Ouais, putain, mais ils ont un vent de malade la nuit. Ça fait deux nuits d'affilée là. Il y a du vent, je crois que ça vient d'un coup la nuit, en plus que la nuit. Et puis voilà quoi. Donc on va voir ce qu'on va faire. Bah, sinon, on peut rouler la nuit. Et quand c'est le 7h, oui. Voilà, on peut déjeuner par la route. Enfin, mais par exemple, s'il y a des parkings. Oui, mais il faut tout ranger, faut que j'enlève les piquets de la remorque. Il faut rien oublier parce que là, c'est dans le noir. Bon, ça va que la pleine lune, donc on y voit un peu clair. Ah. Allez, c'est bon, tout est plié, tout est rangé. Maintenant, on se casse. Salut. Toujours autant de vent. Alors, on ne sait pas trop où aller. Ah oui, pardon. Voilà. Allez, zoom.
Donc toujours ce vent froid. Et bien si c'est comme ça, et bien on va se prendre un petit chocolat chaud. Un dîner, regardez. Voilà, on va se faire plaisir. Parce que là, ça caille, hein. Il y a du vent encore, ça caille. Allez. Non, je préfère revenir ce midi si vous voulez. Petit chocolat chaud, ça va faire du bien, ça va vous réchauffer les filles. Voilà, après on va aller manger nos gâteaux. On n'a pas de cuillère pour manger la chocolat. Papa, il a une cuillère, il n'en a pas besoin. Merci. Je sais pas. Tu sais une odeur? Ouais. Fais gaffe, t'as des martiens derrière toi. Ça c'est de la voiture ça. C'est une vraie. Oh, regardez la voiture là-bas. C'est une voiture de police off-road ça. Regardez comme elle est haute. Il y a d'autres voitures là-bas après. Incroyable là.
il y a des belles voitures dedans. Oh là là, il y a des belles voitures dedans. Regarde celle-là, la rose là. Regardez la rose là. Ah. Elle est jolie celle-là. Celle-là, elle est vraiment belle. Oh, les banquettes et tout à l'arrière, assorties. Oh. Puis là, on va déplacer ça. Ça donne envie de s'asseoir là et de se promener avec. Oh. Avec les banquettes qu'il y a là-dedans. Ouais, vous avez vu les enjoliveurs là, c'est... Oh, des enjoliveurs ça. Oh. Papa, est-ce que t'avais vu le camion? Pas le coffre, là il y a du coffre. Hein. Ouais. Est-ce que t'as ah, oui. Une belle tartine. Je te vois bien, mais là-dedans. Ah, ouais, moi aussi je me verrais bien dedans. Celle du milieu. De cette couleur, elle est jolie. Moi, j'aime bien. Vous avez vu l'arrondi du pare-brise? Comment c'était beau, quoi. C'était là, oui. Là, ils avaient du goût, les mecs. Quand... Pareil pour la lunette arrière, avec l'arrondi ici derrière. L'arrondi ici, là. C'est super beau. Et le chrome tout autour. Là, il y avait du style. Là, il y avait du design. Ça ressemble plus à rien maintenant, les voitures. Ah, les pigeons se sont amusés là-dessus. Ah, ils ont fait caca partout. Et les pigeons, ils ont fait caca partout. Ouais. Thank you.
prenez une photo avec. Vous voulez prendre une photo? Chances to catch our gunfight show today. 11:30, 1 o'clock, and 3. You can enjoy it. Voilà, elle se balade tranquillou, en ville, non stress, tout va bien, je fais ma petite promenade. Ça va les filles? Ouais, c'est drôlement foutu quand même. Chut, on bouge plus. Ah c'est trop beau, t'as vu les oreilles de ouf que ça? Vas-y, passe mon poulet, n'aie pas peur.